Egzamin maturalny z języka francuskiego. Arkusz pierwszy. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty. Jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk: Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami. W trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi dwóch osób. Spośród określeń oznaczonych A i, wybierz po trzy informacje zgodne z wypowiedzią każdej z tych osób i zaznacz je znakiem X w kolumnach tabeli 1,1 1 i 1,2. Jeżeli zaznaczysz więcej niż po trzy informacje, otrzymasz 0 punktów za zadanie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Pierre, 23 ans, étudiant. J'ai passé trois semaines dans notre maison de vacances. Tout s'est bien passé. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Je me suis baigné, j'ai fait de la voile, j'ai même gagné une régate. Le soir, j'ai fréquenté les bars et les discothèques avec mes copains. Une fois, on a loué une voiture pour aller tous ensemble à un concert de rock. L'air frais a rechargé mes batteries. Maintenant, je suis en pleine forme. Et j'ai seulement une idée en tête, c'est d'y retourner l'année prochaine. Caroline, 17 ans, lycéenne. Cette année, mes parents ne sont pas partis en vacances parce qu'ils ne travaillaient. J'ai passé un mois chez ma tante. Je me suis un peu ennuyée parce que je ne connaissais pas de jeunes de mon âge. Mes cousins sont plus jeunes que moi et un peu bêtes. Heureusement, j'ai trouvé une dizaine de romans à la bibliothèque. Autre point positif, j'ai pu voir toutes les émissions de télé que je voulais parce que ma tante est beaucoup moins sévère que ma mère. Tous les jours, je l'aidais à préparer les repas. C'était génial. J'ai appris beaucoup de choses, mais je suis contente de rentrer à la maison et de retrouver mes copines. Pierre, 23 ans, étudiant. J'ai passé trois semaines dans notre maison de vacances. Tout s'est bien passé. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Je me suis baigné, j'ai fait de la voile, j'ai même gagné une régate. Le soir, j'ai fréquenté les bars et les discothèques avec mes copains. Une fois, on a loué une voiture pour aller tous ensemble à un concert de rock. L'air frais a rechargé mes batteries, maintenant je suis en pleine forme. Et j'ai seulement une idée en tête, c'est d'y retourner l'année prochaine. Caroline, 17 ans, lycéenne. Cette année, mes parents ne sont pas partis en vacances parce qu'ils ne travaillaient. J'ai passé un mois chez ma tante. Je me suis un peu ennuyée parce que je ne connaissais pas de jeunes de mon âge. Mes cousins sont plus jeunes que moi et un peu bêtes. Heureusement, j'ai trouvé une dizaine de romans à la bibliothèque. Autre point positif, j'ai pu voir toutes les émissions de télé que je voulais parce que ma tante est beaucoup moins sévère que ma mère. Tous les jours, je l'aidais à préparer les repas. C'était génial! J'ai appris beaucoup de choses, mais je suis contente de rentrer à la maison et de retrouver mes copines. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy anegdoty 1, 2 3 Dla każdej z nich spośród zdań A, B lub C wybierz jedno odpowiadające jej treści i zaznacz je w tabelach znakiem X. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Première histoire. Dans le train. Au secours, y a-t-il un médecin dans le wagon Je suis médecin. Qui a besoin d'aide Moi, vous connaissez une maladie de la gorge en six lettres Deuxième histoire. Au restaurant. Alors, euh, comment avez-vous trouvé le bœuf Tout à fait par hasard, mon ami. Je l'ai trouvé quand j'ai soulevé une frite. Troisième histoire. Distributeur. Dans une station-service, un homme glisse une pièce de 50 centimes dans un distributeur de boissons. Une boîte tombe. Il la met dans son sac. Il met une autre pièce, prend la boîte et la range dans son sac. Et ainsi, plusieurs fois de suite. Derrière lui, les gens commencent à s'impatienter. Enfin, quelqu'un lui demande dans combien de temps il finira. Bah, je continue de jouer parce que je gagne tout le temps. Première histoire. Dans le train. Au secours. Y a-t-il un médecin dans le wagon? Je suis médecin. Qui a besoin d'aide? Moi. Vous connaissez une maladie de la gorge en six lettres. Deuxième histoire. Au restaurant. Alors, euh, comment avez-vous trouvé le bœuf? Tout à fait par hasard, mon ami. Je l'ai trouvé quand j'ai soulevé une frite. Troisième histoire. Distributeur. Dans une station-service, un homme glisse une pièce de 50 centimes dans un distributeur de boissons. Une boîte tombe. Il la met dans son sac. Il met une autre pièce, prend la boîte et la range dans son sac. Et ainsi, plusieurs fois de suite. Derrière lui, les gens commencent à s'impatienter. Enfin, quelqu'un lui demande dans combien de temps il finira. Bah, je continue de jouer parce que je gagne tout le temps. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie dwie informacje radiowe. Zaznacz znakiem X w tabelach, które z podanych zdań 3,1, 3,6 są zgodne z ich treścią. W, Które niezgodne. Faux. A które nie dotyczą usłyszanych informacji. On sait pas. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. première information une petite balle jaune sur la terre orange le tournoi de roland garros a commencé à paris ce matin le tournoi dure deux semaines aujourd'hui c'était la première journée et déjà une sensation plusieurs favoris plusieurs grands joueurs ont été éliminés par exemple le suisse roger federer le cinquième favori qui a été battu cet après-midi par un joueur péruvien le match a duré trois sets le résultat 7-6 dans le premier set, ensuite 6-2 et 7-6. Voilà pour le tournoi des hommes. Pour le tournoi des femmes, par contre, pas vraiment de grosses surprises pour le moment. Deuxième information Une centaine de personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à lundi en raison des pluies violentes qui sont tombées au sud de Montpellier. Selon Météo France, ce dimanche, il est tombé plus de cent cinquante mm d'eau. Une trentaine d'habitants de la commune ont été hébergés dans une école. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais une zone commerciale a été inondée et de routes coupées pendant quelques heures. Dans la région, il arrive souvent d'avoir un tiers des pluies annuelles en une journée. Ces pluies très violentes, surtout en automne, sont caractéristiques du climat méditerranéen. Première information. Une petite balle jaune sur la terre orange. Le tournoi de Roland Garros a commencé à Paris ce matin. Le tournoi dure deux semaines. Aujourd'hui, c'était la première journée et déjà une sensation. Plusieurs favoris, plusieurs grands joueurs, ont été éliminés. Par exemple, le Suisse Roger Federer, le cinquième favori, qui a été battu cet après-midi par un joueur péruvien. Le match a duré 3 sets. Le résultat, 7-6 dans le premier set, ensuite 6-2 et 7-6. Voilà pour le tournoi des hommes. Pour le tournoi des femmes, par contre, pas vraiment de grosses surprises pour le moment. Deuxième information. Une centaine de personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à lundi en raison des pluies violentes qui sont tombées au sud de Montpellier. Selon Météo France, ce dimanche, il est tombé plus de 150 mm d'eau. Une trentaine d'habitants de la commune ont été hébergés dans une école. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais une zone commerciale a été inondée et de routes coupées pendant quelques heures. Dans la région, il arrive souvent d'avoir un tiers des pluies annuelles en une journée. Ces pluies très violentes, surtout en automne, sont caractéristiques du climat méditerranéen. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.